Retour en cette fin de Gotha avec le champion des 70 kilos dans ce mini tournoi du Gotha, Cosmin Tutu, qui s'impose une nouvelle fois pour devenir champion. Raconte-nous, parce que c'est un combat quand même assez dur, hein, quand même. I'm not surprised, motherfucker. Petite phrase à Diaz. Donc ouais, voilà, combat ceinture gagnée contre Laurent. Florent Lecomte. Combat dur. Ça répondait de ça, ça, il y a eu des beaux échanges, que ce soit debout, lutte, sol. Ça allait de tout, dans tous les sens. On a bien frappé. C'était un super combat. Je voulais le remercier d'ailleurs encore, parce que sans lui, cette finale n'aurait pas été aussi belle. Mais voilà, je l'ai gagné la ceinture. Je suis venu, j'ai été prévenu il y a une semaine. D'ailleurs, pendant le premier combat de la qualif, j'ai une épaule qui s'est déboîtée, qui s'est remise en place dans le combat. J'ai une jambe qui me fait mal encore. Voilà, donc dans le dur, on a gagné cette ceinture. Je pense que vraiment je l'ai mérité. Et je l'ai arraché des dents parce que j'en pouvais plus. Voilà, un combat qui est allé au bout et qui était génial. Merci à Rémi, ma team Free Fight Academy, Gary, Ludo, Maggie, toute la famille, tous ceux qui me soutiennent. Dédicace à El Generale, MC aussi, on va se reconnaître, et tous ceux qui me soutiennent. Encore merci à toi, Fred. Et puis allons faire la fête. Ramenons les ceintures à Paris. Voilà. Une belle victoire bien méritée, hein, sur les deux combats. Oui, puisque ce sont des combats qui sont allés au bout des deux rounds, 2x5 à chaque fois. Que ce soit le premier avec Morgan Hero, d'ailleurs merci à lui, ou Florent Lecomte. C'est des combats durs, on est parti vraiment dans le dur en mal tous les deux. C'est encore plus beau parce que Maggie Verschel a eu aussi sa ceinture contre Audrey Kerouche, que je la félicite d'ailleurs. Voilà, deux ceintures à Paris, ça reste dans la famille de la FFA, et on est géniaux, quoi. Enfin, c'est génial tout ça, ça fait plaisir de combattre et de gagner des ceintures. Ben, encore bravo à toi pour ta prestation. Merci. Et puis bah écoute, on attend la suite maintenant, hein. Bah on attend, j'attends de voir, pour l'instant un peu de repos, ouais. Et puis le 14 mai contre Hasni Mohammadi, petit big up à lui, et en 66 kilos, voilà. Gros défi, hein. Hasni, c'est vraiment gros défi, mais on est là, dur au mal, hein. On va pas se défiler, je sais que c'est un très bon combattant que j'apprécie énormément, mais on est là, on va chercher la victoire dans le respect et dans le travail. Bah, bravo à toi, Cosmin. Merci encore d'avoir cru en moi, et... à bientôt, quoi. Eh bien, bientôt. Échéance du 14 mai. Peace. Ouais. Allez, au 14.